Salut tout le monde, je m'appelle Max Dumais, puis ça fait 5 ans que je vais être. Aujourd'hui, je vais vous apprendre le Feeble Art 180. Donc, pour faire le Feeble Art 180, il y a trois choses qui sont importantes. Premièrement, c'est important de savoir faire le Feeble en tant que tel, puis le 180. La troisième chose aussi qui est super importante, c'est de vous choisir un ledge sur lequel vous allez être confortable. Moi, ce que je vous recommande, c'est un ledge qui est assez long, comme ça vous allez avoir du temps pour vous placer, du temps pour avoir votre momentum, puis un ledge qui a une bonne hauteur aussi, comme ça, ça va vous laisser du temps pour, dans le fond, faire la rotation, puis essayer de faire ça le plus facilement possible. OK, donc aussi pour le Feeble 180, deux petits trucs que vous pouvez faire pour vous aider à réussir le truc. Dans le fond, faire des Feeble, puis essayer de sortir vraiment comme en bunny up pour pouvoir, dans le fond, comprendre la motion que vous allez devoir adapter pour sortir. Puis, vous pouvez faire aussi pratiquer vos 180 sur le parterre. Dans le fond, ça va être un 180 qui va être un petit peu plus différent qu'un 180 normal. Ça va davantage ressembler à un petit manual de 180. Donc, pour le Feeble, vraiment une partie que je trouve super importante pour ce truc-là, c'est vraiment la manière qu'on va se placer. Donc, vous allez essayer de vous placer le plus proche du coping possible. Comme ça, vous allez devoir au moins aller le chercher. Comme quand si vous êtes comme ça, vous allez devoir tirer comme vraiment fort pour faire la rotation. Aussi, le plus que vous allez être écarté du ledge, le plus que votre pec dans l'arrière risque de débarquer. Puis ça se peut que ça casse complètement votre momentum quand vous allez arriver pour faire la rotation. La partie la plus dure de ce truc-là, en fait, c'est de faire décoller sa roue du ledge, en fond. Parce que, étant donné qu'on tourne à contresens, il va vraiment falloir, comme je vous ai expliqué tantôt, faire un peu plus un manual 180 qu'un 180 régulier parce que vous voulez vraiment la faire décoller de façon fluide là, pour vraiment que ça foute comme ça. Puis un petit truc que je peux vous donner par rapport à ça, essayez de vous prendre une bonne vitesse aussi quand vous allez arriver pour faire votre Feeble. Vous placez bien votre roue sur le Feeble puis avec une bonne vitesse, ça va vous donner un maximum de momentum pour essayer la rotation. Parce que si vous ne tournez pas assez vite, vous allez voir, ça va vraiment falloir que vous tirez beaucoup pour faire la rotation un peu au même principe que quand vous êtes vraiment décalé du ledge sur le Feeble. Donc, comme j'ai dit au début aussi pour ce truc-là, qu'est-ce qui va faire vraiment toute la différence, c'est le ledge que vous allez choisir. C'est vraiment important que vous choisissiez un ledge que vous allez être confortable dessus. C'est important qu'il soit bien waxé aussi parce que comme je vous ai dit, on tourne vraiment à contresens. Donc, on veut vraiment que ça glisse bien pour que ce soit le plus fluide possible pour faire la rotation. Là. Donc, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ma chronique va vous aider à faire vos Feeble Art 180 out. Puis, je vous souhaite bonne chance avec le truc. Puis, venez faire un tour au tasse.